Alors voilà un autre problème. On a ici Lakers versus Celtics, un jeu Mega Drive sorti en 90 sur la Genesis aux USA. Un jeu qui n'a jamais passé la frontière, sauf la version import avec une notice en français en papier cartonné qui a été insérée dans la boîte en plus des notices américaines. Simplement parce que ce jeu n'a jamais été exporté en version européenne. La sortie a été annulée en Europe. Là, on nous met que le jeu est sorti en octobre 91. Sauf que non. Qu'est-ce qui sort en octobre 91 et en juin 91 sur nos consoles? Eh ben, c'est Bulls versus Lakers qui sort. Et là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Sortie européenne 92. Septembre 92, qui est la date de sortie de Bulls versus Blazers. Il va falloir à un moment donné, les gars, chez Geekline, de vous renseigner un peu mieux quand vous faites vos anthologies, parce que là, sincèrement, au niveau des détails, des dates pour les statistiques, c'est catastrophique sur trois jeux qui sont quand même des références au niveau du sport américain. Les gars, c'est pas sérieux tout ça.